Les posters! Ils arrivent! Les posters sont ici, les voilà! Et... y'a personne! Les posters! Les posters! Dis, tu n'as pas entendu, les posters sont là! Les posters sont en ville! Avec toute leur bande! Seriez les frères Foster. Tu as de l'intuition, étranger. Merci. Qui es-tu? Peut-être quelqu'un que vous cherchez. C'est du moins ce qu'on dit en ville. Si tu es un sale gringo du nom de Joe Ford, c'est vrai. Ce sera embêtant pour toi. Oui, je suis Joe Ford, l'homme qui a fait manquer votre coup de la banque de Detroit. Ah oui. Et où est passé l'or? Vous voulez le savoir, vraiment? Oui, et tu viendrais avec nous pour nous montrer où il se trouve. Et si je ne voulais pas vous suivre? Eh bien, on t'emmènerait. Je comprends. Eh bien, venez prendre livraison du colis. Je vous attends au saloon. À terre, les gars, venez au saloon. Pas tellement avec tout ce que je renverse. Sept, impair et passe, rouge et manque. Qu'est-ce que t'as comme chance, toi? Oui, peut-être là, mais je n'en ai aucune en amour. Et je sens faire. Rien ne va plus. Rien ne va plus. Ah.
yet there is no one who doesn't fear voilà. him. Call him mighty, dynamite. Yes. Pour le personnel. A man with lots of TNT. Band of men once tried to pin him down, and everyone in town thought he was finished. Late that night, dynamite blew them all clear out of sight. You can cheer him, but you fear him. That little man with lots of TNT, women adore him. Because they know that he's the fastest man in all the West with dynamite. Dynamite. Qu'est-ce que c'est? Un télégramme pour Joe Ford. Bon, très bien, allez-y, entrez. Excusez si je vous dérange, mais voilà un télégramme. Lis-le. Et? C'est sans doute au sujet de la mort des Foster. Tu as droit peut-être à une décoration. Alors, je suis impatient. Oui. Il dit les amandiers maintenant sont en fleurs, fin du texte. Et comme signature, oncle Sam. Mais tu ne m'avais pas dit que tu avais un oncle horticulteur. Pourquoi? Ce n'est pas sympathique. Voulez-vous répondre au télégramme? Non. Voilà pour toi. Merci beaucoup. Excuse-moi, je vais m'habiller. Fais vite. J'en ai pas pour longtemps. Tu sais ce que je vais faire? Eh bien, moi aussi, je vais m'habiller. Je vais me mettre tout en rouge. Je ne mets cette toilette que dans les grandes occasions. Mais je ne crois pas que les amandiers fleurissent en cette saison. N'est-ce pas ton avis? Joe! Mais où es-tu? Joe! Joe! Pour monsieur le sénateur Sennett. Pour monsieur le sénateur Sennett. Nous devons absolument prendre des mesures. Cela fait 2 ans qu'une grande partie de nos chargements d'or est dérobée par ces gens de sacs et de cordes. Pas de mesures importantes, pas de sanctions n'ont été décrétées. Notre passivité est impardonnable, messieurs. Notre gouvernement doit prendre des mesures. Je suis ici pour cela, messieurs. Le gouvernement ne peut plus rester indifférent. Nous sortons d'une guerre qui nous a profondément affaiblis. Et l'or que nous perdons est perdu aussi pour la nation. Malheureusement, vous savez aussi bien que moi qu'en ce moment, le brigandage a plus d'hommes et plus d'armes à sa disposition que n'en a le gouvernement. Et beaucoup de soldats sont tombés sans aucun résultat en tentant d'escorter toutes ces voitures remplies de notre or.
Je crois, et je le répète, cette fois, il faut que ça change. Recherchons la solution entre nous et vite. Je crois l'avoir trouvée, messieurs. Bonjour, mon cher Sonnette. Monsieur le sénateur, s'il vous plaît. Sénateur par la volonté du peuple. D'accord, sénateur. Vous avez parlé d'une solution? De la seule solution, sénateur. C'est celle d'augmenter le prix de l'or. Dans le fond, une certaine quantité est sauvée. En augmentant le prix, nous compenserons le montant de celui que les bandits et les Comanches emportent avec eux. Mais cette solution est démentielle. Toute l'économie américaine subirait une perte incroyable. Nous pouvons demander à ce cher monsieur Nansar de se préoccuper de l'économie américaine en priorité avant son économie privée. C'est exact, mon cher monsieur. Nous allons à la ruine et personnellement, je le suis déjà. C'est vrai, il faut rechercher une solution intéressant à la collectivité. Mais laquelle, dites-le. Eh bien, par exemple, j'ai pensé à une personne de ma connaissance. Un homme à la tête d'une armée, j'ose espérer. Non. Du tout, et cela serait plutôt un homme seul. Je l'ai invité ici. Il est aussi ponctuel que moi, monsieur, vous voyez. Je peux vous annoncer qu'il arrivera dans une minute, pour être précis. Je pense que ces messieurs seront de mon avis, n'est-ce pas? Est-ce que l'on peut savoir qui c'est? C'est un de nos agents, disons plutôt un agent très spécial, en somme. Il s'appelle Joe Ford, mais ceux qui le connaissent préfèrent l'appeler le dynamitaire. Joe l'implacable. Oh, messieurs, je suis consterné. Évidemment, vos domestiques ne pouvaient pas savoir que mes bagages devaient être maniés avec beaucoup de précautions. Il faut les excuser. Je regrette beaucoup. Je crains que les réelles capacités de votre personnage soient nettement inférieures à sa mise en scène. Vanité non préconçue, je vous l'assure, comme je viens de vous l'expliquer, monsieur. Non. Alors, vous vous sentiriez capable de vous battre seul contre tous ces bandits qu'aucune escorte n'a pu éliminer. En réalité, je pense que je peux faire beaucoup plus. Oh, vraiment? Mais oui, je le pense. Votre problème, si je ne me trompe, est le suivant. D'une part, éliminer cette bande de pillards, et d'autre part, réussir à transporter en lieu sûr le plus d'or possible. Oh, messieurs, quel héros! Merci. Je me propose de transporter en un seul voyage tout l'or que vous voudrez bien me confier. Et bien sûr, tout cela, vous le ferez pour rien. Rien que pour l'amour de la patrie, qui ferait vous croire ça? Oh non, ne croyez surtout pas que je ne travaille que pour la gloire. Et à quel prix vous voulez bien évaluer vos miracles? À 5% de la valeur de la marchandise. C'est là le prix que le gouvernement m'a payé en d'autres cas. Et sans jamais le regretter. Vous pouvez me croire. Finissons-en! L'or de mes mines du lac Salton est d'intérêt vital pour moi. C'est pourquoi je n'ai nulle envie ni le temps pour écouter toutes ces bouffonneries. Je laisse donc à ceux qui ont encore envie de se divertir les bouffonneries sénatoriales et celles de ce bantard, messieurs. Mais, sénateur, avez-vous vraiment une idée qui pourrait mettre en œuvre cette... Oui, mais c'est un secret. Vous devez avoir confiance en nous. Oui, ce n'est qu'une idée plutôt explosive. Oui. Oh, sénateur, vous ne me croirez pas, mais dans mon verre, j'ai pu voir une idée enchanteresse. Attention, l'alcool est souvent un démon qui fait faire des bêtises. Peut-être est-ce un démon, comme vous dites, mais il avait l'aspect d'un ange. Lorsque vous serez au Mine City, vous ne devez vous fier qu'à 3 personnes. Au directeur de la banque, naturellement, au shérif Stanton, et ensuite... Eh bien, vous m'écoutez? Regardez, les merveilleuses. Qui ça? Bérénice Patford?
Même pour mon père, elle n'a jamais constitué un souvenir de jeunesse. Ford, c'est absurde. Excusez-moi. M'accorderez-vous le plaisir de cette danse? Avec joie, Monsieur Ford. Volontiers. Ne me dites pas que nous nous connaissons et que je ne m'en souviens pas. Il me semble que j'en mourrais de honte. Comme vous êtes galant. Votre renommée vous a déjà précédé. Je ne pensais pas avoir une telle renommée. Est-ce que je peux vous demander quel est votre nom? Oh, pourquoi pas? Mes amis m'appellent Betty. À vos amis? Et ceux qui vous connaissent à peine? Si vous faites allusion à Monsieur Ford, il peut m'appeler Betty. Bonsoir. Bonsoir. C'est ma musique préférée. Très jolie. On peut danser aussi dans le jardin. Au moins, vous savez, la valse, je... En effet, vous perdez vos moyens comme danseur. Alors nous rentrons. Je regrette, messieurs, mais ni mademoiselle ni moi n'aimons vos façons d'agir. Est-ce vrai, Betty? Une bande d'idiots incapables d'exécuter la moindre petite mission, voilà ce que vous êtes. Allons, vite, emmenez-le, vite. Più il vostro gentile amico. Come mai, ci ha già lasciati? No, tuttavia temo che in questo momento sia occupato. La tragedia della sua vita è il troppo amore per la lettera D. Donne, denaro e dinamite. Ma beato lui. Che volete quanto alle donne? Io ormai non posso che rimpiangerle. Temo che anche il denaro se continua così. Oh, coraggio, coraggio. Vedrete che presto il vostro oro smetterà di abbandonarvi. Voi non avete idea di quanto Joe Ford sia un tipo sveglio. Speriamo. Bien réveillé, monsieur. Oh. Ah, je me demande pourquoi j'ai si mal à la tête. Qu'est-ce qui est arrivé? Un pot de fleurs. Il s'est cassé. Quelle heure est-il? 11 heures. C'est ça, 11 heures. Alors tu as encore un peu de temps à vivre. Plus assez, je le crains, pour te servir encore bien longtemps de ta montre. Allez, donne-la-moi. Allez! Elle est très fragile et il faut la remonter une fois par jour. De préférence le matin. Sois tranquille. J'en prendrai soin. Thank you.
Scott! Que s'est-il passé? Merci, l'ami. C'est de l'eau! Ça m'est défendu, ça! Ah ben ça, j'aime mieux ça! Je reconnais l'odeur du whisky à 4000. Eh ben. Merci, ce soleil, ça vous donne une de ces soifs. Et où vas-tu comme ça, Mine City? Eh oui, je suis à Mine City. C'est la seule ville qui existe à un rayon de 100 000. Tu veux monter? Ouais, mais je pourrais pas te payer. Ça fait rien. Ah, j'aime pas voyager gratis. Je peux te remplacer pour conduire. Ouais, tu sais conduire? Si je sais conduire. Qu'est-ce que tu crois que j'ai fait depuis 50 ans que je suis sur cette terre? J'ai conduit des calèches, des carrosses, des diligences, tout ce qui roule sur toutes les pistes de tous les États-Unis. Ah. Alors tu connais le chemin? Ah oui, donc. Tiens, par là, au-delà des monts et des collines, il y a un fleuve là-bas, tu vois. Et à gauche, il y a un vieux pont. Et après, il y a la route qui recommence. C'est bien plus loin, à 8000. C'est Mine City. Allez. Quel est ton nom? L'éponge. Dis-moi ton vrai nom. L'éponge. Mais quel genre d'éponge? Une éponge d'alcool. Ah, j'ai vu. Dis, ça le goûte trop peu. Tiens. Ah, merci, l'ami. Mais qu'est-ce qu'il te prend? T'as vu que je la finisse? Regarde un peu derrière. Oh, des Comanches! Où est-ce que tu vas? Là, il y a le fleuve. Le pont est à gauche. Oui, merci. Les salopards! Au cours, petit père. Vas-y, où vas-tu? Je sais pas, j'ai moi. Tu apprendras. C'est une carriole tout terrain. Yeah! Le guet n'est pas par ici. Vite! Hé, hey, dis, t'es pas un peu fou? Ceux-là vont nous tomber dessus, le pont est à plus d'un mille. Ah, hey, oh, oh! Mais qu'est-ce que tu mesures, là? 25. 30. Ben, il est pas que fou, il est sourd aussi. Bon, en attendant qu'on voit ce qui se passe, moi, je bois un coup.
je te dise, patron? Eh ben, je trouve ça formidable, moi. Oui, c'est pas mal. Les salauds. En arrière, allez! Ah, bravo! Où es-tu? Ah, dis donc! Eh ben, dis donc! Dis-moi un peu, tu serais pas l'implacable, tu sais? Pourquoi? Ah, ben, ça va! Ouais, ça va, j'ai compris, je suis pas complètement fou, tu sais. On croit en entendre 40 000 fusils. T'es une vraie poudrière vivante. Je tiens à ma tranquillité, moi je suis pauvre, mais tranquille. T'habitueras, tu verras. Vu qu'après sa réponse, tu travailles pour moi. Allez, assieds-toi. Bah ça alors, il aurait suffi qu'un seul coup arrive là et floup, boum. De ce pauvre vieil éponge, il ne resterait même pas l'odeur. Du travail, dis-tu? Mais qu'est-ce que t'entends par du travail? Il me faut un conducteur, mais j'en trouverai bien. Hein? Pour conduire quoi? Ça, on verra plus tard. Je t'offre une bonne paye et 100 dollars d'avance. Eh ben, t'as trouvé l'homme qu'il te fallait. Et qu'est-ce que je prépare pour une avance? J'entre tout de suite à ton service. Qu'est-ce que tu veux? Eh ben, l'avance. Tu ne perds pas le nord, hein. Et allez, crampe-toi, Attends-moi au saloon, hein. Bien, chef. D'accord, patron. Et trouve-moi une chambre. Oui, chef. Il y a un hôtel? Yep. Oui, c'est yep. Oh, oh, oh. Il y a une piole? Oui. Avec de l'eau? Non. Ah, bon. Mes excuses, cher monsieur, mais la banque est fermée aujourd'hui. C'est bien vous qui êtes le shérif Stanton. Je suis Joe Ford. Bienvenue à vous, monsieur Ford. Le directeur vous attend, je crois. Entrez. Monsieur Ford, monsieur le directeur. Monsieur Ford, ah, vous voilà enfin. C'est un plaisir de vous voir. Avez-vous fait un bon voyage? Oh, excellent, je vous remercie. Mais asseyez-vous. Non, excusez-moi, je dois surveiller un travail dehors. Allez. Alors, où en êtes-vous et où se trouve cet or? C'est par ici. Dans la fonderie? Eh oui. Intéressant. Passionnant, dirais-je. Oui. C'est un des frères Warren, ce sont les fondeurs envoyés par Washington. Ce sont des gens très habiles. De premier ordre. Voici Monsieur Ford, lequel, avec le sénateur Sennett, a eu l'idée de faire ce travail. Monsieur? Après vous. Pardon.
Dites-moi, la quantité d'or a été suffisante? Ah oui, bien sûr. Et vos calculs s'avèrent très justes. Regardez. 8 livres d'or pour la souplesse du revêtement. J'espère que le résultat s'avère aussi satisfaisant. Eh bien, venez. Vous pourrez en juger. Tenez, voilà. Bravo. C'est extraordinaire. Hein? Beau travail. Ah, une fois verni, nul ne la distinguera de toutes les autres diligences. Nous avons pris pour modèle celle en service à la Wells Fargo, un type de plus commun. Vous conduirez vous-même? Non, non, je vais prendre un conducteur. Un nommé L'Éponge. Ah. Et quand pensez-vous avoir fini? Demain matin. Vous partirez tout de suite? Oui, dès qu'elle sera prête. Une bande de feignants à 20 contre 1, vous l'avez laissé s'échapper. À la prospérité de Mine City. Allez vite à cheval et cours au pays. Oui. Et fais attention, imbécile. Ne fais pas les choses en grand cette fois. Une paire d'hommes est nettement suffisante. Et ne vous approchez surtout pas de lui s'il a une valise et s'il flambe une allumette. Vous en faites pas pour nous, monsieur. C'est ta dernière chance. Ou tu m'expédies ce bougre-là sous terre, ou je te liquide et c'est toi qui iras au cimetière. Bonjour, flibustier. Quelle magnifique toilette rouge tu as. Je devrais t'étrangler, monsieur Ford. Ah oui? Et pourquoi ne le fais-tu pas? Zéro! J'ai gagné! J'ai gagné! Le zéro, j'ai gagné! Ah, bon. Tu m'offres à boire? Mais bien sûr, garçon, à boire pour cette belle enfant. Oh! Et vite les gambilleux! Tu vois, c'est l'homme de Joe. Bravo! Où vas-tu? Hein? Hé, patron! Regarde ça! J'ai gagné! J'ai joué le zéro et j'ai sorti. Allez, veux-tu un quoi boire? Oui, du champagne. Ah, du champagne! Du champagne! Et garçon, du champagne pour mon patron! You know well how much I love you. You can tell I'm dreaming of you. When you weave your spell, I just fall under, and I wonder if ever you will love me too. Every time we're close together, wish the time would stop forever. Though I know that I'm the one left waiting, I'll be waiting until the day you'll come to stay. Don't let this love be
Qu'est-ce qui te prend? Mais ma parole, t'es devenu fou. Je déteste la fumée, et puis c'est mauvais de fumer, ça fait du mal à ton âge. Eh oui, tu as parfaitement raison, l'ami. Un bon conseil par-ci par-là, c'est toujours bon à prendre. Seulement, généralement, les conseils, c'est moi qui les donne. Ça, je demande à voir. Et toi, tu t'appelles l'implacable Joe? Oui, je suis Joe Ford, et maintenant, ça suffit. Viens, on va vérifier ça. Ah, qu'est-ce que t'attends? Allez, sors là, ta petite dynamite. Non, non. Non, non, pas encore. Pas pour l'instant. Vous comprendrez pourquoi je préfère la dynamite à ces petits jouets. Ils ne peuvent tirer que 6 coups et puis c'est fini. Ça aussi, c'est à voir. C'est tout vu. Et maintenant, jetez votre jolie panoplie. Joe! Ne touchez pas à cette arme. J'ai seulement tiré sur le pistolet qu'il tenait à la main, c'est tout. Hey, c'était le mien, il me l'avait pris. Dommage. C'est pas drôle de finir comme ça. C'est pas votre avis, shérif? Qui étaient ces gens-là? Des mineurs du lac Colton. Où se trouve ce lac? Là, plus haut, près des cascades. Merci. Ne vous dérangez pas. Salut. Salut. Hé, patron! C'est du soufre. Oui, du soufre. Et là où il y a du soufre, il ne peut y avoir de l'or. Exact. Bonjour, Monsieur Ford. Nous sommes tous ici pour vous. Que d'amis. Bravo, Monsieur Ford. Je vois que vous êtes devenu un très bon détective. Merci, oui, je fais de mon mieux. Oui, j'ai survécu à votre envoi de fleurs. Merci encore. Dites maintenant que nous sommes entre alliés.
Si c'est là votre mine, comment faites-vous pour extraire tant d'or? Monsieur Ford, alors vous voilà maintenant à vouloir nous poser des questions en espérant ainsi reculer de quelques instants votre exécution. C'est pas sérieux, ça, ni digne de vous. Vous n'êtes pas non plus stupide au point de n'avoir pas compris que l'or est extrait des expéditions plus ou moins malchanceuses de mes collègues. Et vous pensez encore faire de même cette fois? Assouvissez vite ma curiosité. Vous devez la conserver, votre curiosité, monsieur Ford. Attention! Allez, prenez-les! Oh. En avant! Restez pas là, ils vont vous tuer. Prenez-les, allez! Allez, descendez-vous! Je travaille pour Sellette. Et ta charmante attention dans le jardin des forçats? Pour moi, tu passais alors pour le plus grand crétin sur Terre. Je ne savais pas encore que tu étais sur l'affaire. Si j'avais su, merci. Attends un peu, ne tire pas encore. Ne tire pas. Combien de balles te reste-t-il? Deux. Pourquoi? Alors ne tire plus. Avance, idiot! Allez, entre, toi aussi! Il y a déjà deux hommes, à quoi ça sert que j'y aille aussi? Allez, sortez de là! Aucune chance de vous échapper! Aucune autre issue dans la mine! Comment dire? Tu le paieras cher, Ford! Alors, cette dynamite, elle vient, oui ou non? Cette fois, c'est peut-être sérieux. Personne ne sait que tu es ici. Si, l'éponge. Enfin, ça y est, elle est prête. Elle est belle, hein? Je comprends pas comment vous faites pour trouver belle une gabarde comme celle-là. Moi, je la trouve extraordinaire. Ouais, ben moi, je la trouve horrible. Mais pourquoi? Ben, vous avez vu la touche qu'elle a, elle est moche comme tout. Et inutile. C'est une charrette à rentrer les foins, là, c'est tout. Allez, on voit la mèche. Attention, viens. Je te souhaite un bon voyage, Ford. Reste là. Ouvre la bouche et bouge-toi les oreilles. Joe! Hey! Mais vous n'êtes pas fou? Il faut faire vite! Mais où allez-vous avec Joe, cette charrette? Non, attendez-moi! Éponge! Attends-moi! Hein? Je viens avec toi! Allez, saute! Allez! Et maintenant, tous à cheval! Ça va faire pas mal de morceaux, tout ça, chef! Ça n'a aucune importance, vu qu'il n'y a aucune autre issue. Dans le plus heureux des cas, ils mourront étouffés. Hé, au village! Betty! Tu es sûr que nous sommes encore en vie? Oui, nous le sommes. Au paradis, il ne peut y avoir autant de poussière. Qu'est-ce que c'est? Je crois qu'il y a une ouverture. Ouais. Aide-moi. Allez. Les pouces. Là. Eh bien. Cela doit être un vieux dépôt de la mine. Nous avons de la chance. Je crois que dans toutes ces affaires, nous allons bien trouver quelque chose qui pourra nous être utile. Espérons-le. Du pétrole. Récupère le fusil. Mmh.
Regarde la flamme. Il y a un appel d'air qui vient de par là. Essayons de le trouver. Viens, aide-moi. Allez, du courage. Ouais, ça vient de par là. Il doit y avoir une ouverture. Attention! Tiens, par là, c'est ouvert. Viens. Regarde, on voit toute la vallée. On surplombe les cascades. Eh ben, au moins, on ne mourra pas étouffé. Allez, viens. Qu'est-ce que c'est? On dirait des puits. Passe-moi la corde. Tout de suite. Il y a de l'eau dans le fond. C'est la nappe souterraine qui va du lac jusqu'aux cascades. Dis-moi, à quoi penses-tu? Puis-je t'être utile? Une explosion pourrait provoquer dans ces puits une pression suffisante pour faire s'écrouler la moitié de la montagne sur Jury. Et aussi sur nous. C'est du charbon. Une explosion. C'est bizarre. Nous sommes dans une mine de soufre. Là, il y a du salpêtre. Nous devons maintenant retourner au dépôt. Il faut essayer d'en sortir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'arrêtes-tu? J'ai peur que nous soyons embourbés. Oh. Je t'ai sans voir. Oh. L'essieu de la carriole non. est tordu. Non, attendez, faites attention. Attention, attention, elle est fichue, c'est trop. Non, mais non, peut-être que non. Et si on allait un peu moins vite? Hé, hey, chéri, donne-moi un coup de main, là, pour les yeux. Non, non, écoutez-moi, non, je vous en prie. Non, mais laissez-moi faire. Attention, tout doucement. Ah. Joe est en danger. Et nous aider. Mais qu'est-ce que vous faites? Eh ben... Allez-vous-en. Allez, mettez ça devant. Attention. Oh! 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 Dépêche-toi. Voilà qui est fait. Tu as encore besoin de salpêtre? Oui. Ma cartouche est mouillée. Mais si je n'arrive pas à fabriquer la plus grosse bombe de toute ma vie, je ne m'appelle plus Joe. Tout est en place, chef. Mes amis, je propose un beau toast à la mémoire de Joe. Tout est en place. Allons-y. Prends la torche. Tiens, aide-moi. Il faut qu'elle soit tendue, sinon nous risquons que les autres ne s'enflamment pas. Les bombes doivent exploser tout ensemble. Je ne sais si cela fonctionnera. Oui, mais c'est une expérience très intéressante. Espérons-le. Eh bien, allons-y. Embrasse-moi, car c'est peut-être la dernière fois.
Regardez par là. L'entrée de la mine est effondrée. Joe, que lui est-il arrivé? Joe! Joe! Et maintenant, ferme les oreilles. Et ouvre la bouche. Voilà. Et prie aussi. Nous avons le temps. Ah, ah, ah! Nous ne sommes pas pressés, n'est-ce pas? Bienvenue à toi, l'ami.
Que viens-tu me proposer aujourd'hui? La dernière fois, il me semble que nous ne sommes pas arrivés à être d'accord. Tu te souviens? Je suis quand t'avais supprimé quelques-uns de tes hommes au cours d'une bagarre. Les nouvelles comme ça m'arrivent toutes fraîches. Oui, voilà, je te propose l'affaire la plus intéressante de toute ton existence. Une affaire pour qui? Pour toi? Je t'offre 30% de la plus grande corrida du monde. Une excellente affaire. C'est vrai, ça? Mais il croit bien que la charrette en question est attentivement convoyée par son gardien. Joe Ford? Il est mort. Tu crois? Vicente! Allez, réponds-lui. Écoute. Joe Ford, pour l'instant, il se porte bien, je le sais, le sol. C'est impossible. Bah si, les Vicente ne mangent jamais. Je vais te dire. Vu qu'il y a ces gardiens-là, tu vas pour moi et mes gars donner 50%. Et il y a des risques, tu sais. Avec ces gars-là, les gardiens spéciaux, c'est plus que normal. Et ne peut pas accepter moins de 60%. C'est vrai? T'es bien sûr. Parfaitement. Mais aussi d'après mes renseignements et qu'il y ait de bonnes sources, il est nécessaire que tu arrives à ces 60%. Le Vicente m'a dit aussi que l'or avait une drôle d'escorte secrète. Nessuno li riconoscerà, il mio piano è perfetto. Speriamo. Ci siamo quasi, state pronti. Guarda qui. Attenti a come chiudete questi sacchetti. Volete che si accorgano che non è oro? Non intendo, per colpa vostra, giocarmi 35 anni di carriera onesta e temerata. Questo è l'ultimo. Sei sicuro di farcela? Certamente. Che te ne pare? Ingegnoso, eh? Basta guidare i cavalli in modo da non dover essere costretti a usare il freno. Semplice. Speriamo bene. È perfetta. Sfido chiunque a scoprire il trucco. Ricordati di non frenare mai, Spugna. Sta tranquillo, capo. Papà? Papà! Shh, non mi chiamare papà, c'è lo sceriffo. Papà! Sono in missione segreta. Papà, senti papà, lo scialle! Zitto! Non mi chiamare papà. Mamma, papà ha detto se gli presti lo scialle per la festa del curato. Tieni, togliti dai piedi, via! Miei soldati, signore guardie giurate, a nome del senatore Sennett e perciò del governo, assumo il comando di questa spedizione. Se ci attaccheranno, e certo ci attaccheranno, confido che sapremo difendere l'oro della nazione. E non solo questo. Nostro compito e dovere è anche quello di togliere di mezzo il banditismo da questa terra a noi cara. Come ha detto il senatore Sennett, la nostra è una missione delicatissima. Chi mi conosce ha capito, e chi ha capito
mi segua! Avanti! Uomini vestiti da donne. Vieni. Che tempi, eccellenza. Grazie. Capo, tento un colpo alla roulette. Se vinco ti offro da bere. Già, ma con che gioco? Doppio zero. Lo gioco o me lo bevo? Doppio whisky. La mia chiave. Grazie. Là, ti pago per suonare musica seria io. Scusatemi. Oh, che meraviglioso vestito. Non fare lo spiritoso, perché io non scherzo. Entra lì dentro. Su. Credi che abbia rischiato l'osso del collo per il piacere di vederti baciare quella bionda? Ah, ma quella non è una bionda, è una collega. Ah, i baci delle colleghe sono diversi. Se metti via quella rivoltella te lo dimostro subito. Adesso invece ti dimostrerò io che cosa sa fare una bruna. Sta fermo. Intanto però tu non esci di qui. Senti, io devo andare a fare un telegramma. Anzi, due telegrammi. Davvero? E sono molto urgenti. Oh, ma non ti devi preoccupare. Tu scrivili e penso io a farli spedire senza che tu ti debba disturbare. Va bene, ma questa tua diffidenza mi offende. Oh, ma che dici, caro? Normali precauzioni. Quanto al bagno, come vedi, non ha porta. E neppure la finestra. E per quanto hai intenzione di tenermi qui prigioniero? Oh, non lo so, è difficile fare previsioni. Capirai, le mie colleghe del balletto hanno deciso di partire. Ah sì, allora dovrai fare le valigie. No, ti ho detto che partono le mie colleghe, non io. Ormai ho tutto il tempo per dedicarmi a te. Presto, presto, ragazze! E questo? Mettilo dentro! Il lavoro è lavoro, ma l'amore è una cosa meravigliosa. Io resto. Per me quella è pazza. Paquita non viene. Deve essersi presa una bella cotta. Ah, beata lei. Sei pazza pure tu. Su, su, avanti, ragazze, muovetevi, salite. Dobbiamo andarci. Presto, su, avanti, muovetevi. Su, presto. Puoi andare. Voici le premier. Oui. Et celui-ci est le second. Bien. Écoutez-moi bien. Le deuxième télégramme doit arriver environ 2 heures après le premier. Il vous faudra donc régler la transmission. S'ils devaient arriver ensemble, ça serait une catastrophe. Et cela gâcherait le plaisir d'au moins la moitié du Sénat. Veuillez être enraqué. Au revoir. Prêt, patron. L'éponge? Oui. Ma valise. Ah, oui. Merci. Ah, bonjour. Tu t'es reposé comme tu le voulais? Oui, je dirais merveilleusement.
Comment me tues seul? Tu n'emmènes pas aussi cette brunette? Ma mission n'est pas terminée. Elle ne fait même que commencer. Alors on y va, chef? Oui, si tu veux, l'éponge. Allez! Dunque, signori, questo telegramma dimostra che ho avuto ragione. Tutto va per il meglio. E quando partirà loro? Si è già mosso e io partirò immediatamente per raggiungere la spedizione a Fort Brent. Andrete voi di persona? Sì, tengo molto a quell'oro. Il semble qu'ils ne sont pas plus d'une cinquantaine. Quatrième pour ça, pour moi alors. Il les connaît. Ce sont de bons tireurs. Un homme voudrait venir parler. Que passe? Que faites-vous ici? Certaines fois, il arrive que 35 ans de carrière honnête et sans tâches ne peuvent plus suffire. Alors, 10%. D'accord. Bien, très bien. Jury. Tu attaqueras le second chariot. Mais moi, je veux 90%. Et combien d'hommes sont nécessaires? 20. Mais pas un de plus. Non. Tu auras 20%, c'est tout ce que je peux t'offrir. Nous avons maintenant un nouvel associé. Et puis l'or n'est pas par ici. Mais celui-là, c'est un or facile. Un or qui n'arrive pas à 20%. Étant donné que le sénateur Sennett a voulu partir de suite et que l'ordre du jour est épuisé, je déclare maintenant la réunion close et je vous invite à vous unir à nos invités. Merci. Il est adressé au président de notre assemblée. En principe, ce serait à Sennett de l'ouvrir. Mais en son absence. Messieurs, voici notre ordre. Échec. Bravo. Échec et mat. Donc, un baiser au vainqueur. Hé, hey, dites, patron. Je crois que nous avons de la visite. Attends. Allez! Devant nous, il y a une autre diligence. Approche le plus que tu peux. En avant. Ils ont pas passé les défilés.
terminée. À fond dessus. Le plus près possible. Ouais. Passe-moi la dynamite, dépêche-toi! Allez, plus vite! Allez! Allez! On y arrive, fonce! Maintenant le fort, rassemble les hommes. Bien, très bien, comme tu veux. Allons-y. Qui commande le fort? Dehors, avec toute la garnison. Et combien restez-vous ici? 3 blessés, le cuisinier et moi. Et il n'y a personne d'autre? Ah non, personne. Hé, qu'est-ce qui se passe ici? Vous êtes devenu fou, ma parole. C'est là que se trouve l'armurerie? Oui, c'est ici.
Sortez les munitions et la dynamite. Ouais. Allez les filles, vous venez. Vous avez un bon sorti. Allez, avant. Allez, venez rentrer. Allez, vite, vite. Allons, allons, vite. Tenez, une par une. Si vous ne savez pas les charger, mademoiselle Betty vous apprendra. À toi, prends, oui, prends. Vite, allez, vite. Tous au mur d'enceinte. Vite, vite, vite. Ça, ce qu'il faut pour les amuser. Ah. Attendez-moi. Oui. Attendez-moi, j'arrive. Bravo, mon vieux. Avec ça, je me sens plus tranquille. Viens, ma poulette. Oh, non. Betty, va te placer du côté ouest. Vas-y. Alors, moi, qu'est-ce que je fais? Reste ici, en sentinelle. Facilement, ah ouais. Retournez, bande de lâches! Allez-vous vous laisser posséder par une bande de filles? Allez à la tâche! Je sais pas, il y a plus d'un an qu'il est là. Ah, ah. Allez, donne-moi un coup de main. Allez, et toi aussi, viens nous aider. Alors, on y est? Allez, viens, tu vas m'aider à porter des charges. Va dans l'armurerie, dépêche-toi. Ils attaquent de l'autre côté. Essaie de les retenir le plus longtemps possible. Je suis arrivé à temps. C'est vrai? Je n'avais plus du tout de munitions. J'avais envoyé une fille en chercher. Allez, fais vite, fais vite. Ils viennent de ce côté. Cours vers la terrasse. Oui. J'ai trouvé que celles-là, qu'elles ne vont pas. Il doit y en avoir. Je vais aller à l'armurerie. Ah. Oh, bon sang, quel recul. Allez, allez, venez. Venez m'aider. Il ne doit plus avoir de dynamite. Allons-y ! 80. Oui, 80. Regardez, ils sont encore plus qu'avant. Rien n'est encore fini. Yeah.
Attention, les enfants! C'est inutile. Il n'y a plus de munitions. Je crois que cette fois, il te tient, l'étranger. C'est un ennemi. Allez, 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 viens avec nous, ça. Quatre-vingt-dix. C'est mérité, non? 90. Et 100 maintenant. Faites vite, mes enfants! Détruisez les forts! Ce que je veux, c'est la diligence! Je ne veux que la diligence, elle vaut très cher! Tu veux la mouquère aussi? Non. Pour elle, je lui réserve la même surprise qu'à son ami les Joe. La diligence est à toi, Elson. Ah. Donne la lunette. Tu en fais un drôle de tête. Et toi, tu t'amuses? Che bello! Aveva messo scusa. Allora sì. Ah, oh, cher Ford, ti dovrete souvenire par esperienza concernant la dinamite che vide dinamite en mer. Mourez bien, messieurs et dames. T'entends cette musique? On est sauvés! Ils vont venir nous libérer. Tu vas t'en apercevoir. Ah, voilà enfin mon chariot. Exact, monsieur. Et aussi votre or. Excellent, Joe. Vous avez rendu un merveilleux service à l'économie et aux finances de ma personne. Cet or-là est à moi en toute propriété. D'accord. Maintenant, allez donc vous divertir avec les filles. Le butin est à vous. Mes hommes, eux, ne comprendront pas pourquoi je me contente de retrouver cette vieille diligence. Mais vous, Joe, qui êtes un homme à la page, ne trouvez-vous pas que mon plan est en tout point parfait? Ben oui, parfait, vous pouvez le dire. Je suis tombé dedans. Oh non, je vous en prie, ne vous sous-estimez surtout pas. Un plan parfait avait besoin d'un homme exceptionnel et vous l'avez été. Un travail impeccable aussi. Et dans ces conditions, j'ai été amené à prendre l'ultime décision de clôturer aussi cette carrière politique parfaite. On ne peut mener de front les choses politiques et les affaires personnelles. Et la cavalerie, elle arrive, bon sang, elle arrive, oui ou non? Et qu'allez-vous faire maintenant, hein? Comme chaque fois, respectez un horaire. Les cavaliers doivent être ici à midi, c'est-à-dire dans 10 minutes, juste le temps de régler mes comptes, chers amis, et de passer la frontière du Mexique. Tout est calculé à la perfection.
Dites-moi, saviez-vous que la frontière n'est pas à 2000 d'ici? Vous êtes le vieillard le plus immonde que j'ai jamais connu. Sénateur, Sénette, cher enfant. Sénateur par la volonté du peuple, avec tous les droits afférents à sa situation, législative, judiciaire et personnelle. Ce pauvre Elson, ce gros tas de graisse, mais il avait une âme des plus sensibles. Et ce pauvre jury, couché dans la poussière, combien d'amis de perdus, mon Dieu, et en une seule fois, c'est triste. Mais je vois que vous en souffrez, ne vous préoccupez de rien. J'ai pensé à tout, il reste assez de dynamite, et avant que je m'en aille, vous pourrez les rejoindre vous aussi. Vous les rejoindrez, soyez-en certains. Sénateur! Sénateur Sennett! Monsieur le sénateur, je suis monsieur le sénateur. Monsieur? Cigare dans ma poche. Oh, mais c'est pas tout à fait le moment, patron. Fais ce que je te dis, voyons. Oh. Non, pas celle-là dans le gilet. Halt! Oh! L'explosion venait de là. Regardez. La diligence. Au canon, vite! Chargez! En avant! Enlevez-y. Sénateur Sennett. C'est arrivé à temps, chéri. Ces hommes me poursuivent. Nous nous en occupons. Merci. Attention. Du feu. Les allumettes dans le gousset. Ah oui. Dépêche-toi. Main en l'air et tous à terre. Pourquoi pourrais-vous apprécier à l'heure? Allez, en avant! Prends-le. Dans ma main. Attention! De l'eau bénite! Facile! Détachez-nous et nous pourrons vous le dire! Vite les enfants! Détachez-les, vite, vite! Porte! Porte! Et la diligence, où est-elle? La diligence, oui! Oui, le char est à l'écart! Et Sennett, ce traître, il s'est enfui, non? Je crains que, grâce à notre bienveillant shérif, oui, notre sénateur Sennett ne soit sur le point de franchir la frontière. Oh. Nous allons vérifier ça. Ah, quel charme! Profiteur, voleur! Allons-y! Ah, mais ça, c'est un coup dur. Oh, et surtout, pas de pitié. Oh! Ouais, attention! Ah. Vous le voyez? Regardez. C'est quoi, Zola? Ah, mais ces bandits n'ont plus beaucoup de chemin pour arriver jusqu'à la frontière. Ouais, ah, oui. Et s'ils ne prennent pas? Hein? Et il a freiné. Tu en essaies? Il aura coûté un peu cher, mais il a eu la faim qu'il méritait, ce bandit. Allez, venez. Hein? Ah, alors. Une
chose que je n'arrive pas à comprendre. Si vous saviez qui était ce Sennett, pourquoi ne pas nous avoir prévenu plus tôt? Eh bien, je n'avais aucune preuve. Et la seule manière de le démasquer, c'était de rentrer dans son jeu. Oui, je comprends. Votre conduite a été parfaite. Joe, laisse-moi te faire une confidence. Tandis que j'étais attachée, je me suis promis une chose. Et laquelle? Eh bien, si je sortais vivante de cette aventure, je partirais avec toi, n'importe où tu le voudrais. Quelle scène émouvante! Et nous voudrions vous dire, cher ami, nous aussi, que malgré la perte de notre or, et en considération de ce que vous avez fait pour libérer la piste et démasquer aussi notre ennemi, que votre pourcentage demeurera. Messieurs, je gagne honnêtement ma vie et mes pourcentages. Et je me garde bien de les faire sauter avec de la dynamite, car votre or est en sécurité. Que dites-vous? Vous avez entendu? Ben oui. Oh non, du ciel, expliquez-vous. Dites-nous, que voulez-vous dire? Où est notre or? Je l'ai expédié tout naturellement par un moyen connu de tout le monde. Lequel? La poste, messieurs. L'éponge, à quelle heure passe le courrier postal? À midi, je crois, chef. Regardez, le blanc qui arrive. Hein? Bien certain, vous ne plaisantez pas, non? Allons, calmez-vous. Venez, messieurs, regardez. Voici votre or. Oui, dans la remise, j'ai changé les diligences et je suis parti avec la vraie. Voilà. Hein? Mais regardez qui vient là. Quelle magnifique toilette oh, rouge. Oh, Jeffon, je devrais te battre, tu sais. Ah, il y a encore ta collègue. Cette fois, je n'entends pas rester là en spectatrice. Tournez à gauche, non, non, faites attention. Non. Messieurs, une nouvelle incroyable. Le sénateur Sennett était en train... Eh ben, merci pour la nouvelle. Mais c'est le sénateur, voyons. Joe. Je n'ai qu'une petite avance. Je voudrais le solde. Notre mission est terminée. Hein? Allez, d'accord, patron. Ouais. Je crois bien que maintenant, j'ai besoin d'un peu de tranquillité. Et bon, je vais me retirer. Hein? Tu veux raccrocher? Et qu'est-ce que tu feras? Ben, peut-être bien construire des carrioles. Je crois que c'est une idée excellente. C'est une industrie qui aura un énorme développement. Et je vois déjà les criteaux. Une voiture John Ford, c'est de l'or dans votre voiture, hein? Qu'est-ce que t'en dis de ça? Ah, ah oui, alors! Because they know that he's the fastest man in all the world.